Buveur Offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon samedi. Un samedi qui commence avec un temps gris couvert avec de la pluie. Une température extérieure à 11 degrés, une température de l'eau à 13-14 degrés. Une marée qui descend. Plein bas à 10h55, des coefficients de 87. Sur cette descendante, le vent est offshore, est sud-est, un beau fort. Le plan d'eau est lisse à agiter. Et on a une houle qui est, elle, bien agitée. Une houle longue de 11 secondes de période qui est à la hausse par rapport à hier soir. Mais le pic de la houle est passé dans la nuit, on l'a pas vu. Relevé sur la Bouard, cachant quand même à 5,70 m et 10 secondes à 17h hier soir, costaud. Et là, ce matin, il y a du 3,07 m sur la bouée. Ce qui nous donne en taille de vague 1,50 m gentil en déferlement régulier. Série qui rentre la plupart du temps à 2 m gentil. Et de temps à autre, il y a 2,30 m qui est rare et qui est gentil aussi. C'est pas consistant ce matin. Par contre, en termes de qualité, c'est pourri, c'est agité, il y en a dans tous les sens. Très agité, des bouts désordonnées, une barre qui est facile à franchir, mais il n'y a vraiment pas grand chose à surfer. Personne à l'eau, personne qui check. Des conditions qui devraient s'améliorer pour le reste de la journée avec un vent qui va rester offshore plutôt par le nord et un train de houle qui va s'amortir. On attend à 13h en prévision 1,50 m à 2 m. Houle ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-est à 2 beaufort. Et à 17h, 1,80 m. Houle ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-est à 3 beaufort. Des conditions qui ne peuvent que s'améliorer et à surveiller sur le remontant. Bien entendu, le temps, lui, va rester couvert avec averse ou plus. Et il est température de 14 à 15 degrés cet après-midi. Prochain point à 11h30. À tout à l'heure. Merci.